Campez sur vos positions. Laissez-les tirer les premiers. Mais s'ils tiennent vraiment... S'ils tiennent la guerre... Qu'elle commence ici. Piterne. Dispersez-vous, maudits rebelles. Posez vos armes et dispersez-vous. Que faites-vous, lâche? Donnez vos positions. Pleutre. Traite. Ils ne reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qui te reste. Ne me dis pas que bon chez toi. Ripostez. Ripostez. Tu dois rejoindre Concorde pour prévenir les autres. Montre ça à celui qui commande la garnison. Ce devrait être un homme du nom de James Barrett. Allez, vas-y. Groupez les gars et suivez la cadence.
petite surprise pour ces diables rouges. Le sang a coulé à Lexington, et ce n'est qu'un début. Les tuniques rouges sont en marche. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes réunis? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper d'un genou qui veut essayer de jouer les héros. Je me porte garant de lui. John Parker aussi. Où est Revers? Ils l'ont pris. Quoi? Ne crains rien. Il a l'habitude de se retrouver dans le pétrin. Il s'en sortira, j'en suis certain. Vous avez fini vos commérages? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. Alors j'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Quand la bataille commencera, nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concorde. Ces braves gars ne se sont jamais battus. Ils auront besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à la hauteur? Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre. Toi, veille à ce qu'on tienne ces positions. Si les diables rouges passent, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après, l'ennemi tirera les Anglais. J'ai compris. Et si le moindre de ces ports parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. Attendez mon signal! Attendez le signal. Ouvrez le feu. Ne tirez pas. Tenez-vous prêts. Allez! Tenez-vous prêts!
tirez pas! Faites feu! Attendez le signal! Attendez le signal! Ouvrez le feu! Attendez mon signal! Faites feu! Attendez le signal! Ouvrez le feu! Tenez-vous prêts! Ouvrez le feu! Ne tirez pas! Allez! Signal. Tenez-vous prêts. Tirez. Préparez-vous. Préparez-vous! Ouvrez le feu! Préparez-vous! Allez! Préparez-vous! Faites feu! On a réussi! Ils partent en retraite! Il faut être un monstre pour commettre un tel acte. Au moins, ils sont partis. J'aurais dû frapper quand je le pouvais. Sais-tu où Pitcair n'a pu se rendre? Il est sans doute retourné dans le giron des Anglais pour regrouper ses troupes et préparer son prochain massacre. Je dois le retrouver. Plus je tarderai, plus il fera de victimes. Sois fier, mon ami. Beaucoup d'hommes ont survécu à ce combat grâce à toi. Que dire de cela? Nous faisons de notre mieux avec nos moyens. Ça ne suffit pas. Tu dis vrai.
pour le soutien d'une glorieuse cause. Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette Assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. Quant à la solde... En vérité, je ne vois pas meilleur homme que lui. Qu'aucune vraiment considération j'ai quelques noms en tête. Ne m'aurait fait accepter cet Charles emploi difficile. Au prix de mon bien-être et je de mon bonheur domestique. Je doute je ne veux que donc vous vous en souveniez, Connor. Je veux te présenter je tiendrai à quelqu'un. Un compte exact de mes dépenses. Je ne doute pas que désolé le Congrès ne les acquitte. Désolé de t'éloigner ainsi. C'est tout. Mais la ce dernière que chose désir dont nous ayons besoin, c'est que tu te battes avec lui. Connor, j'ai le grand honneur de te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Il ne semble guère ravi que ce commandement lui ait échappé. Ce fut un réel plaisir, Connor. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn. J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston, en compagnie d'un millier de tuniques rouges. Le seul moyen pour toi de l'atteindre, c'est de le faire sortir de sa tanière. Tu as de la chance. Nous allons justement lancer une offensive contre la ville. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au campement de Bunker Hill aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Pitcairn est un véritable fléau. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. J'en pense autant au sujet de Charles Lee. Tu parles là d'un tout autre animal. On s'occupera de lui un autre jour. Bon courage à Boston, Connor. Ah oui, je le connaissais bien aussi. Un homme bon qui s'intéressait aux autres. Très... comment dites-vous déjà ? Généreux. Tu es toujours là ? Je me demandais juste ce qui allait se passer. Il y a beaucoup à faire. Le général Washington doit définir où et quand notre armée va frapper. Et nous devons nous soucier de notre message. Un message ? Nous devons nous entendre avec les gazettes sans tarder. Tout le monde doit savoir que les loyalistes ont ouvert le feu à Lexington. Mais on ignore qui a ouvert le feu. C'est précisément pour cela qu'il faut agir vite. Nous allons façonner l'opinion publique. Mais c'est malhonnête. Peut-être. Et alors ? Le peuple doit croire que nous n'avons fait que nous défendre, sinon c'est un acte de trahison. Vous avez trahi. Mieux valait plier les chines devant un tyran ? Est-ce une solution préférable ? Non, pas du tout. Tout homme a droit à la liberté. Pourtant, déguiser la vérité est une chose terriblement dangereuse. Écoute, Connor. Cette guerre ne se mène pas que sur les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits. Il faut parfois mettre les choses en scène pour sauver des vies.
Je viens voir Israël, Putnam. Sur ordre de qui? Samuel Adams. Suivez-moi. Ce n'est pas Bunker Hill. Non, c'est Breed Hill. Il y a eu des accords sur l'endroit où nous devions camper. Des nouvelles de Boston? Les Tories ne bougent pas. Chaque fois qu'on les approche, on y laisse des soldats. Je pense que Putnam et les autres vont hisser des canons sur ces hauteurs. Un bombardement pourrait amener les Anglais à changer de stratégie. Que sais-tu de John Pitcairn? Cette vermine est le plus malin du lot. Il vient de temps en temps nous provoquer ou nous saigner d'une salve d'artillerie. Mais nous tenons bon. Il ne va pas tarder à avoir ce qu'il mérite. Vous ne pouvez pas le rater. Je me moque bien de vos excuses, messieurs. Nous devrions nous installer sur Bunker Hill. Breed Hill est peut-être plus proche de la ville, mais aussi de leurs canons. Nos ordres ont été émis par des hommes si étrangers à notre situation que nous avons été contraints de... Sur Bunker Hill. Bien le bonjour, messieurs. Général Putnam. Quoi? Je cherche John Pitcairn. On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Il s'est retranché au cœur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir. Tant que ce navire continue de nous pilonner, nous sommes impuissants. Mais si ces canons se taisaient? Alors ce pauvre John devrait probablement venir se montrer. Je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi, je ferai un beau discours à vos funérailles.
avance et vous tremblez. Il a plus de troupes, mieux armées, mieux entraînées. Mais je n'ai pas peur. Et vous ne devriez pas non plus. Il a certes du matériel, mais il manque talent. Nous n'en manquons pas. Nous avons la discipline, l'ordre, et surtout la passion. Nous y croyons. Alors restez vigilants, économisez vos munitions, assurez vos lignes de tir, et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Vous avez réussi. C'était un beau discours. Un tas de mensonges, j'en ai peur. Et ces paroles nous ont menés jusqu'ici. Et pour Pitcairn ? Il a quitté Boston. Je l'avais dit. Il a dressé son camp sur Molten Hill. Mais il n'existe aucun moyen de l'approcher. Pas avec la tempête qui gronde en contrebas. Vous pourriez peut-être les contourner, ou attendre qu'on éclaircisse leur rang. Je n'ai pas le temps. Je vais devoir tenter une approche directe. C'est la seconde fois en ce jour que vous fomentez l'impossible. Je n'ai pas d'autre choix. Parce que vous êtes aussi fou qu'un lièvre de Mars. Vous me ferez des excuses à mon retour.
avez-vous fait ça? Pour protéger Adams et Hancock, et ceux qu'ils servent. Vous vouliez les tuer. Les tuer? Vous êtes fous. Je voulais négocier. Il y a tant de choses à dire, à expliquer. Mais il est trop tard désormais. Si vous dites vrai, je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Ces choses prennent du temps. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler. Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les ficelles. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être libre. Et nous devrions tous vivre dans le pays de nos songes. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Et d'autres vont mourir par ta faute. Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant depuis Kern. Je devrais vous féliciter. Et cela n'importe plus guère. J'ordonne le repli. Nous perdons trop d'hommes pour si peu ici. Si les Tories tiennent tant à cette colline, je leur laisse. C'est pour Boston que nous mourrons. Peut-être même avant ça. Que voulez-vous dire? J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington. L'ennemi est tenace. Quand l'argent lui a manqué, il a eu recours à la force. Mais j'ai tué Johnson et Pitcairn et mis fin à leurs méfaits. George Washington a rallié les colons, et leur marche vers la liberté vient maintenant de commencer. Je ne suis pas surpris que les Templiers veuillent sa mort. Ils pensent faire de ces terres un pays froid et servile. Un pays sans âme. Et Washington est un obstacle. Je dois le sauver pour laisser prospérer sa cause et assurer la survie de mon peuple. Mais plus j'agis, plus je cours le risque d'être découvert. Les Templiers pensent que les leurs sont morts à cause de la Révolution. À leurs yeux, les assassins sont partis, ou trop isolés pour s'opposer à eux. Mais je crains qu'ils ne découvrent bientôt la vérité. Je dois me montrer prudent. Où en es-tu de ta chasse, Connor? Elle progresse, mais pas assez rapidement. Tu frappes là où tu es le plus utile. Si tu avais poursuivi Charles Lee ou ton père, que serait-il advenu de Paul Revere? Ou des soldats de Lexington? Des soldats? Je n'ai pas vu de soldats là-bas. Seulement des hommes et des femmes contraints de se défendre. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton peuple? Tu mènes le même combat que les colons. En les aidant, tu aides aussi ta tribu. Des mots pleins d'espoir venant de quelqu'un qui ne croit en rien. Ne t'y trompe pas, je n'ai pas changé, non. Mais je ne peux m'empêcher d'être fier de tous tes succès. Parce que tu penses y avoir contribué. Si c'est ce que tu crois,
Rends-moi ta tenue. Et les lames. Et les dagues. Sans oublier les années d'entraînement et d'enseignement que je t'ai consacrées. Rends-moi tout ça. Et tes paroles seront alors légitimes. Où tu pourrais reconnaître que tu t'es trompé? Oh, mon enfant, tu as tué deux hommes, et l'un était plus marchand que soldat. Tu vas devoir faire beaucoup mieux pour m'impressionner. Si tu le dis, vieillard. Et si nous allions dehors, toi et moi? Je serais ravi de te montrer avec quelle facilité je peux... Connor, voici Benjamin Talmadge. N'aie aucune crainte, son père était l'un des nôtres. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Achille m'a appris que tu avais mis à jour un complot visant le commandant en chef. Oui, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir la moindre piste. Arrête de chercher, mon ami. Ta cible est Thomas Hickey, et je vais t'aider à le trouver. Comment ? Je t'expliquerai en chemin. Nous partons pour New York.